Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera. Zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania. Zgodnie z poleceniami, w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze: Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Est-ce que vous avez déjà votre baccalauréat Non Alors écoutez ce reportage sur Victoria, la plus jeune bachelière de France. À seulement 13 ans, elle a réussi cet examen avec la mention Très bien La jeune fille, qui habite dans le Calvados, ne va pas à l'école. C'est une première dans l'histoire du baccalauréat en France. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu d'aussi bonnes notes, dit la jeune fille. J'essaye maintenant de me reposer, mais j'ai encore du mal à dormir car j'ai été libérée brutalement de beaucoup de stress. On peut dire que Victoria est née pour être exceptionnelle. Son papa est docteur en physique et sa maman a fait des études d'ingénieur. Victoria savait lire correctement à l'âge de 3 ans. Après quelques mois passés en maternelle, elle n'est jamais allée à l'école parce que c'était trop facile pour elle. C'est donc sa maman qui était son institutrice avec l'aide d'un professeur d'anglais et d'un professeur d'allemand. Les loisirs de Victoria sont aussi très studieux piano et violoncelle. Elle pratique la natation et le ping-pong dans un club. L'inconvénient de l'école à la maison, c'est que Victoria n'a pas beaucoup d'amis de son âge. Tout simplement, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Victoria n'a pas vraiment de meilleures copines mais elle a plusieurs amis plus âgés qu'elle. Après son bac, elle ira étudier la médecine à l'université d'Oxford, ce qui n'est déjà pas si mal à 13 ans. le texte de Est-ce que vous avez déjà votre baccalauréat Non Alors écoutez ce reportage sur Victoria, la plus jeune bachelière de France. À seulement 13 ans, elle a réussi cet examen avec la mention Très bien. La jeune fille, qui habite dans le Calvados, ne va pas à l'école. C'est une première dans l'histoire du baccalauréat en France. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu d'aussi bonnes notes, dit la jeune fille. J'essaye maintenant de me reposer, mais j'ai encore du mal à dormir car j'ai été libérée brutalement de beaucoup de stress. On peut dire que Victoria est née pour être exceptionnelle. Son papa est docteur en physique et sa maman a fait des études d'ingénieur. Victoria savait lire correctement à l'âge de trois ans. Après quelques mois passés en maternelle, elle n'est jamais allée à l'école parce que c'était trop facile pour elle. C'est donc sa maman qui était son institutrice, avec l'aide d'un professeur d'anglais et d'un professeur d'allemand. Les loisirs de Victoria sont aussi très studieux piano et violoncelle. Elle pratique la natation et le ping pong dans un club. L'inconvénient de l'école à la maison c'est que Victoria n'a pas beaucoup d'amis de son âge. Tout simplement, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Victoria n'a pas vraiment de meilleures copines, mais elle a plusieurs amis plus âgés qu'elle. Après son bac, elle ira étudier la médecine à l'université d'Oxford. Ce qui n'est déjà pas si mal à 13 ans. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. 1. Au début, Facebook était un service en ligne destiné aux étudiants américains. Maintenant, il est accessible à tous. Le succès de Facebook dans le monde entier est extraordinaire. Aujourd'hui, plus de 50 millions d'internautes de tous les âges et de toutes les nationalités ayant différentes passions sont inscrits sur ce site. 2. Il y a deux possibilités d'accéder au site, l'inscription ou l'invitation. L'opération est délicate parce qu'il faut inviter un ami à découvrir votre profil. Et pour pouvoir le lire, votre ami doit s'enregistrer et créer son propre compte. De cette façon, le nombre de nouveaux utilisateurs augmente chaque jour. 3. Il faut d'abord contrôler l'accès à son profil. Vous pouvez sélectionner le public qui va vous connaître, vous et vos passions. Vous pouvez aussi bloquer certaines personnes ou encore définir un profil limité. Protégez bien votre identité et ne communiquez pas des informations trop personnelles à n'importe qui. 4. Quand vous remplissez votre profil, vous pouvez mettre des informations sur vos centres d'intérêt. Elles sont affichées sous forme de liens hypertexte. Comme ça, en cliquant dessus, vous avez accès à toutes les personnes qui ont les mêmes goûts que vous pour la musique, les films, la lecture, etc. 5. Facebook est très populaire, mais il est possible qu'un autre réseau social le remplace un jour. Ce site propose un environnement très agréable et assez simple. Malheureusement, cela ne suffit pas à en faire une plateforme qui sera toujours intéressante. Quand vous avez déjà essayé toutes les applications, vous pouvez vite vous ennuyer. Au début, Facebook était un service en ligne destiné aux étudiants américains. Maintenant, il est accessible à tous. Le succès de Facebook dans le monde entier est extraordinaire. Aujourd'hui, plus de 50 millions d'internautes de tous les âges et de toutes les nationalités, ayant différentes passions, sont inscrits sur ce site. 2. Il y a deux possibilités d'accéder au site, l'inscription ou l'invitation. L'opération est délicate parce qu'il faut inviter un ami à découvrir votre profil. Et pour pouvoir le lire, votre ami doit s'enregistrer et créer son propre compte. De cette façon, le nombre de nouveaux utilisateurs augmente chaque jour. 3. Il faut d'abord contrôler l'accès à son profil. Vous pouvez sélectionner le public qui va vous connaître, vous et vos passions. Vous pouvez aussi bloquer certaines personnes ou encore définir un profil limité. Protégez bien votre identité et ne communiquez pas des informations trop personnelles à n'importe qui. 4. Quand vous remplissez votre profil, vous pouvez mettre des informations sur vos centres d'intérêt. Elles sont affichées sous forme de liens hypertexte. Comme ça, en cliquant dessus, vous avez accès à toutes les personnes qui ont les mêmes goûts que vous pour la musique, les films, la lecture, etc. 5. Facebook est très populaire, mais il est possible qu'un autre réseau social le remplace un jour. Ce site propose un environnement très agréable et assez simple. Malheureusement, cela ne suffit pas à en faire une plateforme qui sera toujours intéressante. Quand vous avez déjà essayé toutes les applications, vous pouvez vite vous ennuyer. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Le Comité national pour la valorisation des biens culturels en Italie, présidé par Silvano Vicenti, a lancé un appel sur Internet. Il voudrait que le Louvre prête la Joconde pour une exposition prévue en 2013 à Florence, en Italie. La société veut recueillir dans les prochains mois 100 000 signatures en Italie pour persuader le Parlement italien de soutenir cette demande de prêt auprès du musée du Louvre et du ministre français de la Culture. La Joconde, volée au Louvre en 1911 par un Italien qui a été arrêté au moment où il tentait de la vendre à un collectionneur à Florence, a très rarement voyagé. Elle est allée en 1967 pour une exposition aux États-Unis et sept ans plus tard pour une exposition à Tokyo au Japon. Mais à chaque fois, la décision a été prise au plus haut niveau de l'État, contre l'avis des conservateurs du Louvre qui s'opposaient au transport de l'œuvre. Depuis, elle n'a pas quitté le Louvre. Le tableau, réalisé entre 1503 et 1506, est peint à l'huile sur un panneau de bois très mince. Selon les experts italiens, la Joconde est le portrait caché d'un homme, assistant du peintre. Une thèse qui a laissé les experts du Louvre sceptiques. Actuellement, l'œuvre est en mauvais état. Elle est protégée par une vitrine dotée d'une climatisation sophistiquée afin qu'il n'y ait aucune variation de température et d'humidité. Un transport est absolument impossible car on n'arriverait pas à avoir un contrôle de la température même dans des caisses climatisées. En plus, les vibrations seraient très mauvaises pour le tableau fragile et on prendrait un risque très important à le prêter. La Joconde est l'un des chefs-d'œuvre du musée. La majorité des visiteurs qui se rendent pour la première fois au Louvre veulent l'admirer. Selon le directeur du département des peintures au Louvre, cela poserait de grosses difficultés de ne pas pouvoir la présenter. Le Comité national pour la valorisation des biens culturels en Italie, présidé par Silvano Vicenti, a lancé un appel sur Internet. Il voudrait que le Louvre prête la Joconde pour une exposition prévue en 2013 à Florence, en Italie. La société veut recueillir dans les prochains mois 100 000 signatures en Italie pour persuader le Parlement italien de soutenir cette demande de prêt auprès du musée du Louvre et du ministre français de la Culture. La Joconde, volée au Louvre en 1911 par un Italien qui a été arrêté au moment où il tentait de la vendre à un collectionneur à Florence, a très rarement voyagé. Elle est allée en 1967 pour une exposition aux États-Unis et sept ans plus tard pour une exposition à Tokyo au Japon. Mais à chaque fois, la décision a été prise au plus haut niveau de l'État contre l'avis des conservateurs du Louvre qui s'opposaient au transport de l'œuvre. Depuis, elle n'a pas quitté le Louvre. Le tableau, réalisé entre 1503 et 1506, est peint à l'huile sur un panneau de bois très mince. Selon les experts italiens, la Joconde est le portrait caché d'un homme, assistant du peintre. Une thèse qui a laissé les experts du Louvre sceptiques. Actuellement, l'œuvre est en mauvais état. Elle est protégée par une vitrine dotée d'une climatisation sophistiquée afin qu'il n'y ait aucune variation de température et d'humidité. Un transport est absolument impossible car on n'arriverait pas à avoir un contrôle de la température, même dans des caisses climatisées. En plus, les vibrations seraient très mauvaises pour le tableau fragile et on prendrait un risque très important à le prêter. La Joconde est l'un des chefs-d'œuvre du musée. La majorité des visiteurs qui se rendent pour la première fois au Louvre veulent l'admirer. Selon le directeur du département des peintures au Louvre, cela poserait de grosses difficultés de ne pas pouvoir la présenter. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.